Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui c'est l'heure d'avoir une bonne nouvelle dans ta journée. Aujourd'hui c'est l'heure d'être heureux. Aujourd'hui tout le monde en parle, la saison 4 de Shingeki no Kyojin, le trailer qui vient de débarquer. Alors moi j'ai vu que bien évidemment c'est Shingeki no Kyojin, la hype elle est là, mais ça vous attriste pas? Moi je vous jure ça me fend le cœur, c'est la dernière saison de l'attaque des titans. Il y aura pas de spin-off, il y aura pas de suite, c'est fini, ça s'arrête là. Putain, moi ça me fout le seum, je vous jure. L'attaque des titans, je sais pas, c'est un truc, t'as l'impression d'avoir grandi avec, alors que t'as pas grandi avec, mais enfin en un sens si, mais je sais pas, c'est comme si t'avais accompagné toute ta vie. Le truc ça a été un choc pour tout le monde et puis tellement stylé quoi. Bref, on va pas en parler, on va regarder le trailer de la saison 4. Par contre il est pas sous-titré, du coup bah on va faire avec. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous plaît. Sans plus tarder, yalla, c'est parti. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Oh, y'a un oiseau, y'a un oiseau. Mec, il est trop hype. Y'a un oiseau, les frères, y'a un oiseau. Si seulement je savais ce que ça voulait. Oh putain, l'animation elle claque. Ouais, c'est dangereux. En gros, il lui dit que c'est dangereux ici. Dandeike. Dokoka. Dokoka. Où vas-tu? Je dirais Dandeike. Toku, ouais. Le plus haut possible. Studio Mappa, bah ouais. La prochaine Senshi, les prochains Warriors. What the fuck? Putain, l'animation elle claque sa mère. Oh, c'est Mappa derrière. Hein. Wow! C'est quoi ce titan? C'est quoi ce titan? Est-ce que c'est celui qui portait le truc sur son dos? Non! Mais c'est qui? Maintenant, moi aussi je le sais. Vous êtes ceux qui avaient sauvé le monde, je pense. Pourquoi est-ce que vous m'avez pas laissé mourir? Ah, c'est insane! Ymir, mais après je vais pas dire. Wow! C'est quoi ce titan blanc là? Oh, il y a tellement de nouveaux persos! Salut Sasuke! Wow! Oh, c'est génial, le mec il avait des sortes de canons qui tiraient, ce titan. Eren Yeager. Me dites pas que c'était Eren là avec les cheveux coupés hein. Le mec ultra badass hein. What the fuck? Ouais mais ils savent en mettre plein la gueule hein. C'est qui est le directeur marketing mon pote? Oh putain je suis sur le cul. Oh, ça c'est du trailer hein. Wow. Oh mon dieu. Allez franchement, non mais en vrai, waouh, ça c'est du trailer hein. Putain. Non mais what the fuck? Ça m'a fait oublier le pollen. Vous voyez, ça m'a fait oublier mon allergie au pollen. Non mais what the fuck, je suis encore sous le choc. Putain, la réalisation, l'animation, le mec qui a mis un moment sa chemise. Me dites pas que c'est Eren. Parce qu'il y a eu en plus le derrière, t'as le présentateur qui est Eren Yeager. Les titans avec les sortes de canons. Derrière, il y a la guerre. On voit bien que je pense qu'il y a le côté du passé qui va ressurgir. Vous savez, on avait repris à ce moment-là le véritable passé, l'existence des titans, etc. Tout ça. Mais le titan blanc qui arrive, qui détruit. Waouh! Tous ces nouveaux persos, cette meuf qui met un coup de boule au... On dirait qu'elle avait les yeux comme Eren, je dirais, mais je suis pas sûr. Donc, est-ce qu'il y a une forme de descendance quelque part? Non, je pense pas. Enfin, est-ce que ça serait pas la première de quelque chose, un élément super important? Enfin, je pense quand même cette meuf, parce que vu comment ça s'est fixé sur elle, il y a la guerre, il y a ces titans avec le masque, le blond, là, je crois que le masque, le ossature Pokémon, quoi. Non, mais c'est insane, non, mais ça, c'est du trailer, quoi. Ça c'est vraiment un trailer quoi, ça veut dire que c'est digne d'un film. Là on est parti pour quoi. Wouah, franchement c'est kiffant. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans l'attaque des titans cette saison 4. Je pense qu'elle a hype tout le monde. Mais je suis encore sous le choc. Putain, le titan blanc là qui débarque et tout. Il y a pas que le titan blanc, ouais, je vous dis à un moment quand il dit Eren Yeager et ce mec avec la chemise, si c'est Eren, mais il est mille fois badass. C'est toujours ce que j'ai espéré voir, c'est en fait de voir Eren évoluer
du celui qui est un peu trop indécis, qui sait pas prendre, enfin, peut-être devenir enragé, un homme tout simplement, quoi. Il est trop indécis, etc. Bah avec tout ce qui se passe, on peut le comprendre. Mais genre devenir super méga badass, devenir un Sasuke, devenir ce que tu veux, quoi. Mais là, franchement, si c'est lui, non, je pense pas que ça soit lui. Enfin, ou alors il est passé chez le coiffeur. Mais en plus, on entend tout le monde, quoi, les voix qu'on reconnaît. Ah, c'est insane. Je suis vraiment choqué, quoi. Waouh. Ça va être non, vraiment, je suis sous le choc. Putain, il était beau. Je vais me le retaper, mais je vais pas vous faire une deuxième réaction dessus, quoi. Il est. Oh mon dieu, il est parfait, quoi. Franchement, il est parfait. Franchement, il est parfait. Les amis, on va se retrouver pour la saison 4 de Shingeki no Kyojin cette année. C'est la dernière saison, comme je vous l'ai dit, de Shingeki no Kyojin. Et c'est ce qui met encore plus un petit peu l'alarme. C'est ce qui m'attriste un petit peu plus parce que quand on a un trailer comme ça, se dire qu'après, c'est fini l'attaque des titans, Eren, etc. C'est franchement... Cet anime claque parce qu'en si peu de temps, même si ça fait des années maintenant, mais il aura fallu aussi le temps, à un moment il y a eu une absence, il aura fallu le temps de comment dire, de peut-être d'augmenter les effectifs, etc., de rendre la qualité. Là c'est MAPPA qui est derrière, MAPPA, Hajime no Ippo Rising, je vous en ai cité d'autres, Ushio no Tora, il y en avait d'autres dans la vidéo, parce que MAPPA ils font quoi là récemment, j'ai fait une vidéo, ah oui c'est God of High School, bah oui putain, MAPPA, les studios MAPPA en ce moment ils enchaînent de ouf, donc la réalisation elle va être au top, je m'inquiète pas, l'OST je m'inquiète pas non plus, quoi qu'il arrive c'est l'attaque des titans, mais c'est ça quoi, c'est que l'attaque des titans c'était toujours imperfect, à aucun moment, même s'il y a eu certaines saisons où c'était un peu plus de blabla que d'action, etc., ça toujours, ça te pète à la gueule quoi, tu t'y attends pas, moi jamais je m'y attendais à l'attaque des titans, au rebondissement qui apparaissait quoi, t'étais toujours waouh. Et là encore je sens que cette saison elle va être encore plus sombre que, bah, que le trailer nous annonce, il y a de la guerre, il y a une thématique, il y a une attaque de titans dans les villes, donc je sais pas si c'est à l'époque des Huns, je pense que oui, il y a ce titan blanc, le je pense que les titans qu'on a vu d'avant, je sais pas, mais je dirais comme ça que le titan avec le masque, le titan qui a l'air de porter un truc, il me fait penser beaucoup au titan qu'on a vu qui était accompagné du géant titan là, je sais plus son nom là, j'ai oublié, le blond. Avec ses lunettes là. Et du coup il y a le titan à quatre pattes là qui porte toujours un truc. Il fait penser exactement à pareil. Et en plus sur son dos il a des sortes de canons qui tirent un peu à droite à gauche et tout. Donc c'est une technologie quand même assez avancée. Je pense que ce passage là, pas ce passage mais le début du trailer, ça se passe avant. Donc ça c'est l'histoire d'avant. Mais ensuite on en arrive à l'histoire d'après. Et le titan blanc que je vous dis depuis le début là, c'est obligé qu'il fait partie de pour moi j'espère en tout cas, qu'il fait partie du moment où Eren vit entre guillemets, de cette timeline là, si je peux dire, de ce présent-ci. Franchement c'est ouf, j'ai pas d'autres mots, c'est insane. Bon j'ai très hâte de retrouver la saison 4 de Shingeki no Kyojin. On se retrouve bah, bien évidemment bientôt pour de nouvelles aventures comme d'habitude. Prenez soin de vous, moi je vais faire attention au pollen parce que là il est en train de me tuer, je vous jure il est en train de me tuer. Sur ce, je vous dis à la prochaine, sayo, nara.